Ça va? Vous vous promenez? Ouais. Enfin non, plus exactement, je voulais te voir. Vous m'avez suivi? Non. Mais je savais bien que j'avais des chances de te trouver ici. Je t'ai trouvé bien silencieux aujourd'hui. Mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient les autres, ça m'excitait pas, donc j'ai pas parlé. Mais quand même. Si t'es pas d'accord, t'as le droit de t'exprimer. Attendez, vous dites un truc et c'est au contraire, vous êtes compliqué. Non, c'est toi qui es bizarre. Je suis pas bizarre, moi. Enfin, de toute façon, c'est pas de ça dont je voulais te parler. J'aimerais te parler du livre que je suis en train d'écrire. Ah. Vous savez, moi, ça, comme décor, ça me va. Hein. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht comme ça au milieu du chantier. Pas mal. Comme ça, nous, on a notre chantier naval et toi, t'as ton yacht de milliardaire. Bien joué. Mais non, mais comme ça, on rejoint l'idée de Booba, là. On le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. Là. N'importe quoi, on avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non? Donc toi, tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après s'être fait virer pour tuer un milliardaire américain? Un communiste qu'elle a haine, quoi. Bah, mon grand-père était communiste, ça te dérange? Bah non, bah t'as trouvé ton assassin. C'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup. Bah, mon grand-père était pas handicapé, moi, je te le dis. J'imagine bien le vieux en train de monter sur le bateau. Il est où le Yankee? Je vais le buter. On plaisante, là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal. En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Ah mais non, mais moi je veux rien. Ouais. Vous voulez rien? Vous voulez faire croire ça à qui ici? Bah c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. Puis tu sais Antoine, un roman policier peut tout à fait être connecté aux politiques. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ah mais madame, c'est bon, ça le met mal à l'aise de parler de politique. N'importe quoi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que ça m'intéresse pas. Ça on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule. Pouh. Eh zéro, tu l'as tué.